Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur ces plateaux. C'est bel et bien Jerry Mukula qui est là aujourd'hui pour vous présenter cette émission. Lorsqu'on vous parle de La Vie est Belle, lorsqu'on vous parle de Ousmane Sembène, on parle du cinéma bien sûr. Et aujourd'hui sur ce plateau, nous allons recevoir un digne fils du Congo. Un Congolais, parce que on dit parfois que les Congolais ne font que de la musique. Les Congolais font autre chose. Mais aujourd'hui, sur ce plateau, exclusivement pour vous, parce qu'il y a un grand événement qui va se préparer ici sur Paris, nous recevrons sur ce plateau un Congolais. Et pour ce faire, je ne serai pas seul sur ce plateau. Je suis avec ma consoeur ML Loulou, avec qui nous allons co-animer cette émission ensemble. Bonjour Loulou. Bonjour Jérémy Kouna. Comment tu vas? Très très bien. Merci. Voilà, donc sur ce plateau, on reçoit Monsieur Peter Marcus, qui est un cinéaste réalisateur. Il a un événement qui prépare. Bonjour Marcus. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Amel. Bonjour Marcus. On est très heureux de te recevoir sur ce plateau. Alors comment tu te sens d'abord? Déjà, je me sens honoré d'être reçu par une équipe de chroniqueurs de mon pays. Franchement, c'est parmi mes objectifs, c'est aussi faire connaître mon travail auprès de miens. Et là, ça me fait vraiment plaisir d'être là ce soir. Emel va vous demander de vous présenter ou bien de dire à tous ces Congolais qui vous êtes. Effectivement, oui, d'abord, vous devez vous présenter pour que les Congolais puissent faire ample connaissance avec vous, qu'on puisse un peu vous attendre, connaître un petit peu votre parcours jusqu'à aujourd'hui. Moi, je m'appelle Peter Marcus Onabundula, je suis né en Bandaka et j'ai vécu presque une grande partie de ma vie au Congo. Mm-hmm. Et après, j'ai aussi travaillé dans le média. Mm-hmm. Mais j'ai pris le goût de l'audiovisuel très jeune. Mm-hmm. J'accompagnais un cousin à la radio, Raga FM à l'époque. Okay. Et du coup, ça, j'ai vraiment aimé le cadre, et puis c'est comme ça que c'est parti. Donc, je commençais par travailler chez Raga FM, et puis après, je suis passé derrière la caméra, et là, je fais vraiment en très court. Après, je suis parti en Afrique du Sud, vous savez, vous connaissez la situation du pays, donc des fois, on est obligé malheureusement de sortir du pays pour chercher autre chose. Donc je commençais par partir en Afrique du Sud, j'ai fait mes études là-bas, je suis revenu travailler au pays, et après, j'ai voulu vraiment faire des films. Je voulais vraiment faire des films, donc du coup pour apprendre à faire des films, il fallait faire une bonne école à l'international. C'est pour ça que je suis venu étudier en France, et j'ai fini mes études, je suis retourné dans mon pays, travailler, et après j'étais déjà papa, donc il fallait aussi revenir, parce que c'était un peu compliqué de ma compagne de l'époque, la mère de mon fils, est française, donc c'était un peu... Donc c'est pour ça que je suis revenu, et je suis là depuis 2016. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, nous vous accueillons sur ce plateau pour nous parler du film Bureau 2. Est-ce que ça existait déjà le premier ou comment? Parce qu'on entend Bureau 2, on ne comprend pas s'il y avait déjà eu auparavant un Bureau 1. Ouais. Non, Bureau 2, en fait, pour les gens qui ont grandi au Congo, ils sauront que le service spécial de la police congolaise, souvent on les appelle les Bureau 2, c'est des agents spécial, c'est un peu l'équivalent de Mossad, de FBI, comme ici on a la BRI ou la DGSI ou la DGSE. Donc nous on les appelle les bureaux 2. Ils sont, même à un moment on les appelait Batuyaki Mazir. Donc c'est vraiment ces agents-là, c'est un service qui existe, qui travaille avec Interpol, qui arrête qui font de gros dossiers en fait. Quand il faut arrêter des grands criminels, c'est la police s'appuie sur les bureaux 2. C'est vraiment, on les appelle les bureaux 2 parce qu'ils sont souvent en tenue civile, ils ne portent pas l'uniforme. Mais c'est un service qui à l'époque était dirigé par le colonel Mopepe. Je ne sais pas qui les dirige encore. À l'époque où j'écrivais encore le scénario, c'était lui qui était le numéro un de ces services-là. Mais est-ce que moi, ce que j'aimerais savoir par rapport à Bureau 2, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui vous a poussé à faire un film sur le Bureau 2? Est-ce qu'il y a un membre de votre famille qui a été arrêté, appréhendé par le Bureau 2, ou bien vous avez vécu ça dans votre vie plutôt? C'est du vécu ou bien c'est juste un scénario que vous avez pensé mettre en place pour parler de Bureau 2? En tout cas, mon travail,
j'aime bien valoriser. Je veux ramener un autre cinéma. Mon cinéma, moi, c'est pas le cinéma classique. C'est pas, j'aime pas trop parler de Malheur, Marcus, les sans-papiers, ou bien j'aime bien faire rêver, parce que le cinéma, c'est le cinéma art, c'est un art qui te permet de rêver. Tu peux devenir président dans un film, comme tu peux être pauvre, tu peux être Superman dans un film. Et donc moi, l'idée, c'était aussi valoriser nos services. Et je suis très triste, je sais que ça marche pas dans le pays, mais à chaque fois qu'on voit un policier bourré, la vidéo passe sur internet. À chaque fois qu'on voit un militaire qui fait n'importe quoi, on a plus des images pour détruire l'image de l'État. Alors que l'État, c'est toi, c'est moi. On peut aussi accompagner ces frères-là qui ont choisi ce travail-là qui n'est pas facile. Hein. Ils sont très mal payés des fois. Je ne dirais pas les défauts ici. Mais moi, je voulais aussi leur rendre hommage à travers ce travail. Comment expliquer, Nati abandonne un niveau moko avec les services internationaux. Donc voilà, c'était, je n'ai jamais eu de problème avec eux, quoique ben, qui n'a jamais eu de problème avec la police au Congo. Mais quelque part, si tu permets, ma chère Emel, vous parlez de l'Est du Congo, n'est-ce pas? On parle de l'Est du Congo, mais politiquement, vous, Marcus, parce que vous l'avez dit, il y a des choses qui ne marchent pas très bien au pays. Mais vous, avec votre regard, avec votre vision de réalisateur, qu'est-ce que vous dites par rapport, quel rapport y a-t-il entre ce que vous faites avec ce qu'il y a à l'Est du Congo? Qu'est-ce que vous voulez, quel est le message que vous voulez faire passer à travers ces moments-là dont vous avez parlé de l'Est du Congo? Oui, ce film, il y a deux volets. Il y a un volet où je valorise les services de la police congolaise en général, que ce soit le renseignement, ainsi de suite. Il y a aussi un volet où je dénonce ce qui se passe à l'Est de mon pays. Parce qu'à travers l'art, on peut parler, on peut dénoncer certaines choses. Dans le synopsis du film, c'est un commando congolais qui arrive en France pour démanteler un réseau des trafiquants de coltan. Vous savez qu'on est parmi les pays producteurs de coltan, qui est aujourd'hui indispensable pour les véhicules. On roule tous dans des voitures électriques ici, alors qu'il y a nos sœurs et nos enfants qui sont en train de mourir à l'Est. Il y a plein de documentaires qui parlent de cette réalité-là, et que les choses ne changent pas. Moi, je me suis dit, peut-être, on va partir d'une fiction pour faire une histoire imaginaire. Peut-être que les gens en parleront un peu plus. Et là, ça marche parce que y a beaucoup de... On a fait quand même des projections en privé auprès de certains partenaires qui nous disaient on ne savait pas que les coltans, on ne savait pas que c'était autant. Les gens vont maintenant chercher l'information pour savoir, mais vous parlez de l'Est, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et quand ils vont voir, ils disent, par rapport à ce que moi j'ai dit, c'est trop petit, mais l'histoire est vraiment, l'atrocité est tellement énorme que les gens n'arrivent pas à y croire qu'il y a plus de 5 millions de morts. 5 millions de morts, c'est pas négligeable. Voilà. D'accord, merci pour la parole, Géry. En fait, pendant les spots, en fait, vous parlez de business, soi-disant qu'il y a des Congolais qui sont dedans. Comment vous arrivez à élaborer ces scénarios? Du coup, vous étiez là-bas, vous avez fait des recherches, vous avez eu des témoignages par rapport à cela, ou c'est comment, en fait, où vous avez eu cette idée de mettre cette partie dans votre film? Vous savez, la trahison fait partie de l'humain. C'est une fiction. Une fiction, c'est-à-dire, c'est pas une histoire réelle. C'est une histoire que j'ai inventée. Mais des fois, on utilise, dans le cinéma, on utilise la vérité pour raconter une histoire. Je peux dire que non, comment je peux vous expliquer? Je peux dire, par exemple, il y a tel coin, il y a des prostituées. Effectivement, il y a des prostituées dans ce coin-là. Je ne suis pas obligé d'y aller, j'ai inventé. Dans cette guerre, il y a plein de documentaires qui montrent aussi la responsabilité de nos compatriotes à travers ces trafics-là. Il y a eu beaucoup de scandales qui sont sortis au pays. Il faut juste, quand vous écrivez un scénario, des fois, où on ne met pas de nom, mais on se rapproche un peu de l'histoire. Donc, on ne raconte pas l'histoire réelle, mais on se rapproche de l'histoire en parallèle. Parce qu'il y a eu, vous avez vu des dossiers, je ne vais pas citer les noms ici, il y a des dossiers des anciens généraux qui ont été impliqués dans les trafics des armes, de matières premières et tout. Et il y a aussi d'autres films, d'autres séries qui sont passées sur Netflix, ou des documentaires où on parle vraiment de ces sujets-là. Absolument. Et moi, quand j'ai inventé mon histoire, quand j'ai créé mon histoire, je me dis, la responsabilité, le fait de viser la responsabilité de nos compatriotes dans ce business, ce n'est pas seulement eux directement. En gros, c'est la responsabilité de nous tous. On est tous responsables de ce qui se passe à l'Est. Absolument. Et chacun à son niveau. Parce que le fait de ne pas en parler, le fait de ne pas se soulever, le fait que, une fois il y a des marches, on ne se met pas tous ensemble.
on est tous responsables. Et dans le film, certes, je vise ceux qui sont responsables directement, mais c'est à figure de style pour éveiller à tout le monde, dire que non, ben voilà, on est tous responsables face à ce qui se passe là-bas. Voilà, chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous avons sur ce plateau un réalisateur cinéaste, il s'appelle Peter Marcus Onalundula, qui est un fils congolais. Marcus, dis-moi un peu, dans la sélection que vous avez faite, vous êtes congolais, n'est-ce pas? Oui. Et moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que il y a nos frères aussi avec qui vous avez pris comme personnage dans votre film? Non, il y a deux ou trois congolais seulement qui ont joué dans ces films-là. Vous les citez? Oui, il y a Donka que je salue, Donka Premier qui est un artiste que je salue, et puis il y a William qui est un congolais mais qui est un congolais d'ici, donc il est né, grandi ici, il a même des problèmes de parler lingala. Parce que dans le film c'est tourné en deux langues, c'est en français à lingala. Donc c'est un commando qui vient du Congo, c'était anormal qu'il ne puisse pas parler lingala quand ils parlent entre eux. Donc du coup on a vraiment pris plus de 6 mois pour qu'ils apprennent le lingala, qu'ils arrivent à répéter avec ça, qu'ils apprennent à se battre, qu'ils apprennent à tirer, parce que bah il y a des scènes de combat, il y a des scènes de fusillade. Et même s'ils parlent un peu le lingala avec un peu d'accent, mais j'ai pris ces jeunes là juste pour, avant que j'oublie, c'est que c'est pas, je ne veux pas prendre des congolais, je suis allé chercher les congolais pour travailler. Vous savez, quand vous, dans le cinéma, les gens ne comprennent pas. Parce que nous avons des gens comme des artistes comédiens comme Jean Moulaï. Oui. Ils sont nombreux ici. Ils sont des gens qui prestent très bien et ils ont ce métier. Donc je pensais peut-être qu'ils figureraient dans. Il dit qu'il est parti chercher le Congolais. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Ensuite, les gens ne m'ont pas compris. Ensuite, c'est l'argent. Congo, quand tu ramènes un projet directement, on voit l'argent. On ne voit pas que. On peut créer de l'argent avec un projet. Absolument. Mais avec l'argent, tu ne peux pas créer un projet. C'est le projet qui ramène de l'argent. Et pour amener de l'argent, il faut jouer. Le cinéma, c'est une discipline. Vous savez, le film, on a tourné en 2021. C'est maintenant qu'on commence à voir le film. Donc c'est vraiment une discipline, c'est un long métrage. Il y a un texte à suivre, il y a un personnage. Quand tu joues dans le film, tu ne joues pas toi. Tu joues le personnage. Et il y a l'écriture de personnage. Donc on t'a écrit comment la personne va s'habiller, comment, quand il est en colère, comment il réagit. Et le temps, là, beaucoup de Congolais n'avaient pas. Je ne citerai pas les noms, mais le premier comédien que j'ai pris, les Congolais, on s'est retrouvés après 2 jours de répétition. Il y a certains qui ne venaient pas parce que ils venaient en retard. Ça se mettait à draguer tout le monde. Je suis désolé de dire ça. Ça tirait de partout. Ça drague mes assistantes, ça drague la directrice de casting, ça drague la maquilleuse. Je sais que je suis congolais, la maquilleuse, la bisou nous a ramené mon année. Mais après, je savais qu'avec le temps, ça allait marcher, mais eux-mêmes, c'est eux qui ont lâché le projet. Du coup, je me suis retourné à prendre d'autres personnes. Tu as une question? Par rapport à. En fait, l'idée. Vous êtes venu comment? Parce que vous pouvez aussi, malgré que vous avez fait le cinéma, les études et tout, et peut-être vous deviez passer à faire autre chose, comme d'autres personnes, d'autres cinéastes. Mais l'idée de qui vous est venu vraiment du Congo, ça s'est passé comment en fait? C'est par rapport à tout ce qui se passe à l'Est, ça fait des années. Mais pourquoi pendant tout ce temps, vous n'avez pas réfléchi qu'aujourd'hui, à partir de 2021, que vous avez cette idée de faire ces films-là? Vous savez, dans l'écriture, il y a. On écrit les films. Vous savez, quand il y a une phase où tu commences à écrire, et puis après, tu vois quel projet tu peux réaliser, quel projet ça peut marcher. Mais moi, je suis un réalisateur militant. Déjà, j'aime le Congo, hein. Je suis congolais, c'est mon pays. J'ai sorti un court-métrage à Boulangando, que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est parmi les films les plus vendus au monde et ceux qui tournent beaucoup. J'ai même gagné un prix avec. C'était pour rendre hommage, par exemple, au trio d'Assoufa. Parce qu'on a des histoires de fois qui passent comme ça, qui disparaissent. J'ai fait un film, Les Prix de la Mémoire, pour rendre hommage au président, le feu président burkinabé Thomas Sankara, qui c'est parmi les premiers films que Canal Plus avait acheté. Et je me dis, je suis congolais, qu'est-ce que je fais pour le Congo dans mon travail? J'aime bien que le Congo se retrouve dans ce que moi je fais. Que, voilà. On se dit toujours bas gouvernement, bas Kosala, bas Kosala et l'abisso. Moi je me dis, pour
pourquoi pas moi je peux dénoncer avec le peu de matière que j'ai, écrire un pays, écrire un film, pardon, où le mien vont se retrouver, où les gens vont dire, bon voilà, ça c'est du cinéma congolais et qui valorise aussi les Congos. Parce que la question, ça a été posé sur ces studios. Je pense que les gens ont des réponses parce qu'ils ont posé cette question. Pourquoi vous avez cette idée de faire ces films congolais au lieu de faire peut-être autre chose? Mais vous avez parlé vraiment de la problématique congolaise qui nous touche depuis des années. En tout cas, merci pour cette question. Quelles sont les grandes figures françaises du cinéma qui ont peut-être participé, s'il y en a bien sûr, qui ont participé à votre long métrage? Est-ce qu'il y a d'autres réalisateurs qui vous ont aidé, qui vous ont épaulé? Non, côté réalisateur, non, il n'y a personne. Donc, j'ai écrit les scénarios tout seul, j'ai réalisé, mais côté staff technique, oui, il y a vous savez, de grands, les gens très connus sont très difficiles à avoir, surtout dans des projets comme ça où il n'y a pas beaucoup d'argent. C'est des projets où j'ai tout préfinancé moi-même. Donc vous allez tout seul? Donc je vais tout seul. C'est un projet où tu dis, bon voilà, au lieu de remplir les papiers, vous savez, il y a le CNC ici qui donne de l'argent pour faire les films. Ils vont lire ton scénario et ils vont regarder par rapport au public français. Parce que c'est un film, c'est l'argent de contribuables français, même si nous tous on paye des impôts. Mais pour qu'ils te donnent cet argent-là, tu dois faire un cinéma qui valorise la France, qui parle de l'image de la France ou qui fait rire. Mais moi je suis parti sur autre chose qui valorise un peu le Congo. Donc du coup je ne suis pas très soutenu. Je me disais bon allez, on gagne quand même un peu d'argent à gauche à droite, donc on sait investir dans telle histoire. Et voilà. Et c'est un investissement, c'est un gros investissement. Et puis au niveau du Congo, vous n'avez même pas eu une aide, vous n'avez pas sollicité au niveau du Congo. Non, au niveau de Congo, c'est très compliqué. Vous savez, les aides, c'est très compliqué. On a un ministère de culture et art. Oui. Vous savez, que vous avez écrit, vous avez demandé, vous avez dit que non, vous avez des idées et que vous étiez réalisateur. Parce que bon, aujourd'hui, vous savez, on est méconnus, hein, nous les Congolais. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît plus les artistes qui font de la musique. Moi, je vois plus, on donne de l'importance, bien sûr, aux comédiens, mais quand quelqu'un vient dire que non, je suis un réalisateur, j'ai produit des films, parce que je ne sais pas s'ils connaissent la différence qu'il y a entre un film et le théâtre. Vous savez, au Congo, il y a des grands réalisateurs. Au Congo, là au moment où je parle actuellement, là, eux-mêmes déjà qui sont là au pays, ils n'arrivent pas, le gouvernement ne le soutient pas. Pourquoi ils vont me soutenir, moi qui viens de l'étranger? Et vous savez très bien que quand tu viens de l'étranger, tout le monde croit que tu as l'argent. Tout le monde croit que Toto est l'ingui et tout, ainsi de suite. Il y a des grands réalisateurs comme Diego Amadi, que j'ai cité tout à l'heure. Il y a John Munga. Il y a la nouvelle génération de réalisateurs qui arrive. Il y a même mon ami Chopper, qui a sorti un grand film et qui a très bien marché aux États-Unis. Le problème pour c'est pas qu'un problème propre au Congo, c'est un problème propre à l'Afrique en général. L'Afrique n'aime pas soutenir les Africains. Excusez-moi de vous couper. C'est peut-être on met pas en valeur le 7e art en fait au niveau de l'Afrique tout entière. Je sais pas. Parce qu'il y a des pays aussi, je peux dire Afrique du Nord qui s'en sortent bien avec les films, mais l'Afrique noire, comme vous dites, c'est un peu compliqué au niveau de soutenir les artistes du 7e art. Parce que c'est très compliqué parce qu'on n'a pas de salle, on n'a pas de salle de cinéma. Ils comprennent pas que c'est un investissement et que c'est un investissement qui a besoin. Vous savez, aujourd'hui, les Américains mettent beaucoup d'argent dans les cinémas pour... Aujourd'hui, quand tu demandes aux militaires congolais, par exemple, de se battre avec les militaires américains, même il n'y aura pas beaucoup qui vont y aller. Pourquoi? Parce que dans leur imaginaire, les Américains sont forts, c'est des Marines, ils peuvent aller à commando, Rambo, il va tout seul au Vietnam, il tue tout le monde et puis il prend les prisonniers, il sort. C'est impossible, tu ne peux pas faire ça dans la vie réelle. Alors que ils ont colonisé l'imaginaire en général. Et même moi, quand j'ai fait ces films, on dit, ah, film, ça qui te faisait un métier à bas américain. Donc, voilà, on a cette... Les gens se disent, voilà. La présentation, non, mais c'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, est-ce que nous, les Congolais, parce que aujourd'hui, bon, en faisant cette émission, on essaie un peu d'atteindre l'esprit de nos frères congolais, parce que là nous sommes sur un plateau africain, donc chez Dino Image,
Donc on est là, donc on essaie un peu d'atteindre les Congolais pour savoir exactement s'ils vont comprendre exactement, parce que nous savons que le 11 mai, il y a un grand événement qui se prépare. Est-ce qu'ils comprennent très bien ce que vous êtes en train de dire? Parce que c'est un peu de donner pour qu'ils comprennent que non, ce n'est pas du théâtre, mais c'est du cinéma. Ouais, pour qu'ils comprennent, il faut maintenant que le film, le produit arrive vers eux. Et pour que le produit arrive vers eux, il faut aussi des partenaires. Il faut que le gouvernement mette la main. J'étais en réunion avec un des ministres, que je ne citerai pas le nom, avec aussi... parce que le président était là, il n'y a pas longtemps. Il y a deux ou trois jours. J'étais en réunion avec le ministre, j'étais en réunion avec les conseillers, les députés. On a essayé de parler. Mmh. Et qui m'ont promis qu'ils vont créer un fonds de développement du cinéma. Bon, je mets la main au feu, on verra, on attend. Et voilà, parce que c'est pas parce on en a marre de promesses, on veut des actions maintenant. Et moi j'ai dit au ministre que nous on avance, on avance avec le moyen que nous avons, et on avance en ordre dispersé, alors qu'on est nombreux. Il y a beaucoup de, vous savez, au Congo il y a, on sait pas valoriser nos produits. Par exemple, mettons un exemple, les théâtres, vous savez, on dit les théâtres, les gens parlent du théâtre comme si c'était un truc comme de basse classe. Non, mais les théâtres populaires... Batamabouke. Non, le théâtre populaire, c'est du lard. Ils ont créé un style. Comment filmer? J'ai assisté un jour à un plateau de tournage d'un théâtre, mais tout ce que j'ai appris à l'école, ça n'avait rien à voir. Mais quand ils sortent le produit, ils tournent sans scénario, le réalisateur dit, bon, mais quand le produit sort, les gens rigolent. Combien de familles en Europe avaient des CD? Mais des tonnes de CD. Mais c'est à l'État de canaliser, de pouvoir enrichir cet art-là pour créer notre propre marque. Donc nous, on minimise toujours. Que nous, ah non, ça c'est très bas, ça c'est les pouloulous, et les autres, non, non. Bisous de un niveau et à théâtre, parce que tu n'es pas français. Ça veut rien dire. Donc ici au Congo, quand on appelle Weranson Igwe. Dans quelle langue au Congo il y a Igwe? Il n'y en a pas. C'est du Nigeria. Le Nigeria commence à coloniser nos mentalités. Regardez même le mariage coutumier. Vous allez voir, les gens sont habillés. Comment? Ah non, traditionnellement, mais de quel pays avec des chaînes? Alors que non, ça n'existe pas. Donc vous rencontrez une personne qui est habillée en arabe, et pourtant il est congolais, et il n'arrive pas à valoriser correctement la bas coste. Le seul président qui le faisait, que les autorités m'excusent, Mobutu, Mobutu avait une bonne... Il savait valoriser l'art. Avec la Bacoste, par exemple. Voilà, la Bacoste, les théâtres. Moi, j'ai grandi, on était au Congo. Quand on est arrivé à Kinshasa avec ma famille, on allait voir des pièces de théâtre dans des grandes salles. On allait voir des cinémas, au zoo. On avait le théâtre Mongita, où vous venez, vous payez un billet, vous êtes assis, les gens sont en train de jouer. Ils jouent, puis voilà, ainsi de suite. Et il y avait aussi notre propre théâtre à nous. En parlant de ce que vous venez de dire là quand je vous dis par exemple Gangoura Moïse, ça vous dit quoi? Quand je vous dis la vie est belle, ça vous dit quoi? Quand je vous dis Papa Wemba, ça vous dit quoi? En tout cas, Moïse Gangoura, c'est l'ancêtre, c'est comme on dit, le vénérable, c'est à tout seigneur, tout honneur. J'espère qu'il est bien là où il est. Moi, je l'ai croisé à la maison présidentielle. J'étais invité par le président Bourguiba, mais pas l'actuel. Celui qui a été celui qui a été chassé au pouvoir. C'est le président que j'ai croisé. On m'a dit, ah non, on va vous présenter un Congolais. Je vois un monsieur, je ne le connaissais même pas. Il me dit, Moïse Ngangoura. J'ai quitté là où j'étais. Je suis venu le voir. Si à papy et tout, je vais lui parler, je dis, monsieur, vous êtes un honneur. Moïse Ngangoura, c'est le seul Congolais à gagner l'étoile d'or du FESPACO. Le problème aussi, nous l'avons au Congo, on ne connaît pas l'histoire. Moi, j'aime bien apprendre l'histoire du cinéma congolais parce que je suis cinéaste. On a des grands cinéastes. Mais quand tu as vu le film La vie est belle pour la première fois, d'abord, vous avez quel âge? Et quand vous avez vu ces films-là, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Ben, j'ai 42 ans aujourd'hui. J'ai eu 42 ans le 27 avril. Je suis né en 82. Happy birthday. Donc La vie est belle, je l'ai vu à Kinshasa. Pour moi, c'est pas le meilleur film de Moïse Ngangoura. Il a fait un film Pièce d'identité. Je vous conseille d'aller chercher ce film là. C'est magnifique, Pièce d'identité. Il a essayé de faire après La vie est belle. Je pense qu'il y avait les Nzundu qui étaient là aussi. Les Nzundu, vous vous rappelez, non? C'est un comédien qui nous a quitté aussi. Oui, ils étaient tous dedans. Il a fait un film qui n'a pas très bien marché. C'est le Zabineuf du gouverneur. Ouais, là je vois.
la pauvre Marie-Missa Mouajoudédan, Adolphe et le reste. C'est pour moi, c'est un monument. Ça, c'est un monsieur. Il habite en Belgique. C'est un monsieur qu'on doit faire venir de temps en temps au Congo pour qu'il anime même des conférences. Il est respecté, vénéré au Burkina. Mais dans notre moi, c'est à 39 ans que j'ai vu Moïse Mengua. Je connais des noms, mais je ne le connais pas. Je connais ses œuvres, mais je ne connais pas de ça. Vous avez cité tout à l'heure Molaï. Vous savez, Molaï, beaucoup de gens ne connaissent pas. Là, j'étais en train de préparer un court-métrage. Pendant mon casting, j'ai cherché un noir. Je voulais un homme noir, 1m99, 92, pardon, minimum ou 82, pour jouer. Il y a une Camerounaise, mon assistante, Doris Devigny, qui me dit, ah non, mais je connais un monsieur là, Jean. Et je vois la photo, je dis, mais c'est pas vrai, ça ne doit pas être lui, quoi. Et c'était Molaï. C'est comme ça qu'on a commencé à collaborer. On est en train de préparer un film ensemble. Mais Molaï, c'est un dieu. Molaï, c'est... Non, mais c'est Molaï, c'est en fait, c'est le théâtre congolais, c'est la comédie congolaise. Parce qu'ils ont commencé avec les groupes Salongo. Ils ont le métier. Avant le groupe Molaï, Salongo, Molaï faisait du théâtre. Icônes. Pourquoi je suis Fazer? Vous savez, il y avait une sont des icônes, oui. C'est des icônes, c'est des gens. On peut pas parler du théâtre. On parle de Papa Cody. On parle de Massou ou de Brindé. Parce que vous savez, j'ai même vu des films parlant du Rwanda, et j'ai été surpris de voir Monsieur Kodi là-dedans. Voilà. Je pense que vous connaissez. Il y a un film sur l'opération Barkhane où la France, vous connaissez l'histoire avec le Tutsi, tout ça. L'opération turquoise. Voilà, la turquoise. L'opération turquoise, il y a Monsieur Kodi qui figure là-dedans. Donc, tu vois, on ne sait pas valoriser nos talents. Oui. Et là, la chance que nous avons aujourd'hui, c'est Internet. Vous savez, avec Internet, moi, vous avez vu mon film parce que aujourd'hui, il y a TikTok. Moi, je ne savais même pas. Quelqu'un m'a dit, mais mets ça sur TikTok. C'est des réseaux. Moi, je vois mes jeunes en train de jouer avec, en train de poster, danser tout le temps à la longueur de journée. Je dis, mais c'est quoi ces réseaux à la con où les gens passent les temps à s'insulter et tout. Et je l'ai mis en deux jours, mais on a eu des milliers de retours et tout. Au moins, si je l'ai pas. En deux jours, d'ailleurs, le 11, pour vous dire qu'en deux jours, on n'a plus de billets. Le 11, on est sold out, il n'y a plus de place. J'espère que on aura de place, j'espère. C'est sold out, je vous dis. Là, c'est fini. C'est fini les places. Mon Dieu. Qui vient pour faire. Moi, je voulais acheter le billet. Je peux vous inviter les 17. Les 17 ou les 18. C'est pas vrai. J'ai commencé à faire la publicité, j'ai même pas acheté le billet. Moi, ça fait au moins 5 jours qu'on a plus de place. Écoutez, je l'ai eu. Là, on a sorti. C'est pour la première fois de toute ma vie où je fais une vidéo pour dire aux gens Boya était sur un billet. C'est très bien. Et du coup, dans tout ça, qu'est-ce que vous voulez dire à la jeunesse congolaise, ceux qui vivent à travers vous? Je pense qu'il y aura l'envie qui vont naître, qui vont naître de devenir cinéastes. Par quels moyens ils peuvent y arriver, par quelles études, par quelles études en fait, pour pouvoir devenir un cinéaste ou un réalisateur? Oui, les études, c'est très. Au Congo, il y a l'Institut National des Arts, il y a aussi l'Académie des Beaux-Arts. Et malheureusement, tout le monde n'a pas la chance de voyager, et surtout qu'avec ces problèmes de visa qui deviennent de plus en plus difficiles. C'est pour ça que je dirais aux jeunes de ne pas baisser les bras. Et l'avantage qu'ils ont aujourd'hui, s'il y a occasion et des moyens de voyager pour aller étudier dans les bonnes écoles, c'est très possible. Mais il faut aussi investir en soi. C'est-à-dire que nous, on a fini les écoles ici avec de grandes distinctions. Les gens pensaient qu'on était intelligent. C'est pas la définition de l'intelligence. Moi, j'ai commencé à filmer dans mon pays. Je savais pas c'était quoi le 16/9e. Mais on filmait déjà au Congo avec les caméras. Quand tu arrives à l'école, on t'explique. Ah ouais, tu sais, 16/9e, c'est ça. Le pixel. Non, c'est seulement que pixel. Ah non, pixel, c'est le point que tu vois là. L'école, ça te permet de structurer. Mais sur terrain, tu apprends. Donc il faut pas arrêter. Il faut, avec les téléphones portables, filmer, monter. Et ce n'est que comme ça. Donc plus tu t'entraînes, moins un film, pour moi. Tous les films, c'est un exercice. Chaque film, j'apprends quelque chose. Même quand je regarde Bureau 2, il y a des erreurs que moi je vois, je dis ah ça. J'aurais dû pas. J'aurais dû faire ça. Mais personne ne voit. J'aimerais bien savoir une chose. Vous attendez à recevoir quel genre de public? Est-ce que ce serait plus
des Congolais ou bien ce serait une mixture donc il y aura toutes les restes des nations plutôt qui seront là. Est-ce que vous attendez plus savoir de ou ce que je voudrais bien savoir ce que le message est parmi est bien passé parmi le sien. Est-ce que les Congolais ont répondu à l'appel? Quand vous regardez le nombre de personnes qui viennent, vous attendez vraiment à recevoir beaucoup de Congolais ou bien tout le monde? En tout cas, moi je suis ouvert pour tout le monde. L'idée, vous savez, pour que le Congo change, c'est pas que l'affaire des Congolais, c'est l'affaire de tout le monde. C'est vraiment un sujet où j'appelle tout le monde pour venir. Et il y a certaines choses, par exemple, là, j'ai été éveillé, il y a la nouvelle génération de Congolais, les jeunes frères qui sont nés et grandis ici, qui ont cette facilité-là, par exemple, de payer un billet sur le net. Il y a beaucoup de gens qui s'attendent encore qu'il va y avoir des billets à la porte. C'est ça. Alors que là, ça nous donne d'ailleurs la force, parce que plus les salles voient que un film est congolais, sold out, c'est vendu, ça nous donne de crédibilité. Si un autre réalisateur qui vient avec son film, ils vont facilement le programmer. Et ça aussi, ça ne va pas vous donner aussi l'opportunité de présenter dans une autre salle plus grande? Plus grande plutôt? Le problème, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le sujet. Vous savez, quand je dis que... il faut vraiment voir les films pour vous allez comprendre les messages dedans. Le message, c'est la responsabilité. Vous savez... tu ne peux pas parler de coltan dans un pays où ils sont en train d'investir sur la batterie. Ils sont en train de quitter le charbon pour faire la batterie. La batterie, on a besoin de coltan, on a besoin de cobalt. Donc du coup, où est-ce qu'ils achètent leur cobalt? Au Congo. Ah non, au Rwanda. Au Rwanda, est-ce que le Rwanda produit beaucoup de cobalt que le Congo? Non, pas du tout. C'est vous qui répondez, moi je ne réponds pas. Non, je parle par rapport à la... Comme c'est complet, c'est fermé. Et il y a une autre projection pour les 17. Il y a deux autres dates, les 17 et les 18, dans la même salle. Ah d'accord, dans la même salle. On est déjà à moitié. Il y a déjà la moitié des places qui sont bon, après les 17. On espère que... Et j'aurais dû être pour la première projection. Donc, mais bon, ça sera pour le 17. Mais moi, je vais venir quand même. Peut-être il y aura une place. Oui, on sait jamais s'il y a toujours. Je vous l'ai dit, je viens. En fait, par contre, excusez-moi. Quelle idée je là pour Kinshasa, il y a une projection là-bas ou pas? Si on est en train de prévoir une projection à Kinshasa, mais pas une seule, mais une vraie campagne. Et les autorités voulaient que je le fasse la semaine prochaine. J'ai dit non, c'est un peu trop juste. Il faut au moins un mois de publicité. Et puis là, on est vraiment accompagné par le porte-parole du gouvernement qui nous a promis de très bonnes choses, qui nous ont déjà envoyé des billets d'avion et tout. Avec l'équipe, c'était vraiment très rapide et je remercie beaucoup d'ailleurs. Oui, parce que je vois un jeune Yannick, je ne sais pas si vous connaissez qui est là-bas, qui m'a écrit sur le Telegram concernant la prochaine projection à Kinshasa. Oui, c'est vraiment pris par le ministère. Il y a même le président qui a vu la vidéo. C'est très bien. Lorsque vous regardez notre culture, lorsque vous regardez la culture congolaise, selon vous, si aujourd'hui vous devenez, je sais pas, ministre de la culture, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait changer pour que notre la machine culturelle congolaise puisse décoller, hein, pour qu'on puisse au moins aujourd'hui avoir de retomber par rapport à notre art? Déjà, si on me propose le poste de ministre au Congo, je dirais non. Je ne voudrais pas prendre. Je sais que c'est des gens... Non, on ne sait jamais. Non, on est libre. On peut dire jamais, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Ils ont beaucoup de travail, vous savez, le pays... Qu'est-ce qu'il faut qu'on arrange? Parce que ceux qui vous suivent en ce moment, ils doivent comprendre, parce que si on ne leur dit pas, ils ne comprendront pas. Ils ont beaucoup de boulot. En tout cas, il y a beaucoup de travail à faire. De ma part, de côté de mon métier par exemple, parce que la culture c'est pas que les cinémas, il y a aussi la musique, il y a aussi plein de choses, il y a le théâtre, il y a la danse. Vous savez, on a des ballets au Congo qui sont négligés et tout, alors que là je tourne un film, je suis en plein tournage d'un documentaire d'un grand danseur burkinabé. La seule chose pour valoriser, il faut créer, il faut donner du matériel à des artistes pour qu'ils puissent bien travailler. Vous savez, on a des micros de qualité, on a des caméras, on a le plateau pour donner un bon travail. C'est-à-dire, pour qu'une personne puisse bien danser, il
faut une bonne salle de répétition, il faut des bons studios. Il nous faut par exemple là, nous, en location de caméra, si tu dois aller tourner à Kim, tu dois louer ton matériel en Europe et partir avec. Alors que si on savait déjà qu'il y avait du matériel là-bas, bah, on allait le faire. Il faut que l'État vraiment prenne tout ça en charge. Même l'État peut être un loueur, il peut mettre le matériel, mais qui ne donne pas gratuitement, qui donne en location, mais avec un prix dérisoire pour les artistes. Comme ça, ça permet aux artistes de créer. S'il y a des studios et aussi des écoles, il nous faut des écoles, des centres de formation, que ce soit à Kinshasa, à Lubumbashi, à Bukavu, à Goma, il nous faut des centres où il y a des jeunes qui sont qui ont envie, mais ils savent pas. Là, depuis la vidéo, il y a beaucoup de jeunes qui m'écrivent, hein, qui disent, mais prends-moi dans ton groupe, j'ai envie d'être comme toi, j'ai envie d'apprendre. Mmh. Mais tu vas lui dire quoi? Il faut venir en Europe. Mmh. Il va aller à l'ambassade ou à la maison Schengen, il va encore le compliquer pour les visas. Mmh. Donc c'est... Alors que s'il y avait une école bien dans le pays, tu dis, mais petit, va à l'école, telle école. Et puis on arrive là-bas, on fait un stage avec les jeunes. Moi j'anime des stages au Sénégal, j'anime des stages au Maroc, en Tunisie, et au Burkina et en Côte d'Ivoire. Voilà, donc on s'achemine tranquillement vers la fin de cette émission. Peut-être qu'il ne sera pas la dernière, parce que je sais qu'après la première, on devra encore se retrouver sur ce plateau pour parler de ce qui s'est passé. Ouais. Et je ne sais pas si Laurent t'as encore une question à poser. C'est et pas puis une on va question, on la juste... dernière. Merci. Juste en fait, pour les publics qui vont venir voir ce film, quel message vous allez passer, vous allez leur adresser maintenant pour que, voilà, pendant qu'ils vont venir à regarder ce film, le dernier message à leur donner, un petit truc à leur dire aux gens qui ont déjà acheté les billets, qui vont venir. Quel est le grand message qu'on pourra retenir de notre film Bureau 2? Quel est le grand message? Le grand message est que le cinéma congolais existe, les artistes congolais existent, nous sommes nombreux, nous produisons énormément, venez voir nos films. Même si ces sujets-là vous touchent en particulier, parce que c'est un sujet de l'Est, qu'il y a nos frères qui sont en train de mourir, mais il n'y a pas que ces sujets-là, on produit beaucoup. La seule façon de nous soutenir, c'est de venir voir nos œuvres. De venir quand il y a une publicité, quand il y a, vous savez que il y a une salle à côté et qu'il y a un film congolais qui est projeté, venez voir. Critiquez-nous. Critiquez-nous, regardez, soyez exigeants. Plus vous êtes exigeants, plus nous aussi, ça va nous permettre de corriger notre travail et d'aller plus loin. Et surtout que ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui sont congolais, doivent savoir que tout est possible. Hein. Oui, tout est possible, on peut le faire. On peut y arriver. Déjà, nous avons un réalisateur, un cinéaste. Et vous n'êtes même pas les seuls. Mais au moins pour une première, parce qu'il y a cet engouement. Après, juste un petit message, je vous ai lancé sur TikTok. Aujourd'hui, on voit que tout le monde s'est réveillé, tout le monde veut venir. Et ce serait peut-être une première, mais pas une dernière. Peter, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire que vous n'avez pas dit sur ce plateau, qu'on puisse définitivement clore, comme on dit, tout Kangali Boké. Qu'est-ce que tu peux dire? Merci madame, merci Mingi. Merci Mingi la barbe réservée. Merci Bolimbi, c'est parce que ton dit m'a quitté que le ton a rapidement été bon. Merci Bino Boya les sous le 17, mais le 18. Puis bah date nous sous Ezo Bongama pour la Lausanne, Genève, Lyon, Bruxelles, na Lille. Donc vraiment na Burkina Faso, Pélocola na Cameroun. Donc tourner pendant que vous amenez les Boya, Bota la film les Abino, beau critiquer ceux qui vont se payer n'ont pas besoin de suite, ceux qui vont se payer ils vont payer sa suite pour la tour Bongisa. Toyer Babo et Barre Rezan Dengeneni. Puis vous allez Clément. Parce que Clément, c'est-à-dire. Bozala, moi, malam, souple. Bozala, souple. Hein. C'est parce que souvent, vous savez, les consommateurs de les cinéphiles sont exigeants. Ils vont voir le film de Spielberg. Ils vont comparer, ils vont dire, mais il y a pas mec qui est là, il y a 10 abonnés. Parce que on va passer dans un bon et belé, il y a un budget là-bas, il y a 10 millions, 20 millions d'euros, alors que Bissou Moulaka a 20 000, 30 000 euros. Voilà, chers amis, nous vous rappelons aussi que pour tous vos tournages, pour vos émissions, si vous voulez faire, je ne sais pas, des événements, mariages,
anniversaire, il ne faut pas oublier, nous avons les studios Panza Sango Yakongo. Studio Panza Sango Yakongo avec Edino Image. Edino Image, vous allez tourner vos émissions pour location des plateaux. Donc nous sommes là pour vous. Et également, on va dire aussi à Ben, monsieur Ben, l'analyste, vraiment un grand coucou à lui. Emel, dis-nous la dernière phrase que tu voudrais pour qu'on puisse clore notre émission. En tout cas, merci beaucoup à déjà remercier l'invité qui nous a accordé cette émission. Je l'ai contacté directement, il a accepté de venir partager avec nous ces plateaux. C'est un honneur, c'est un plaisir. Et je vais vous dire en fait que depuis le moment où vous me voyez sur les émissions et tout où j'étais interviewé, maintenant j'ai revu à la caméra dans mon émission Chronique DML. Aujourd'hui je partage le plateau avec mon confrère Jerry Mukuna. Donc merci beaucoup à Edine Image, avec notre Ben, hein, c'est ça, le photographe et puis aussi analyste sur le plateau de Panza Sangoya Congo. Voilà, je vais y arriver. Merci à tout le monde, merci à tous ces personnes qui vont nous suivre, qui vont relayer, qui vont partager cette émission. Merci, je te passe les derniers. Voilà, chers amis, chers téléspectateurs, ça a été un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On a reçu, comme je vous l'avais dit au début de l'émission, M. Peter Marquis, qui est cinéaste, réalisateur. Il va faire une première. C'est 11 mai. Ça serait où? Au Brady, cinéma de Brady, 39 boulevard de Strasbourg, dans le 10e arrondissement de Paris. Oui, au 39 métro Château-d'Eau. Château-d'Eau. Moi, juste à côté de Château-d'Eau. Château-d'Eau, voilà. Et j'ai même choisi ces cinémas-là parce que je sais que il y a Château-Rouge à côté, donc... C'est quartier populaire, en fait. Quartier populaire. Voilà. Donc, au boulevard Strasbourg, ce serait le 11 mai. Déjà, on vous signale que c'est plein. 17 et 18. Donc, mais nous avons deux dates qui reviendront, c'est le 17 et le 18. Alors, on sera tous là. Et on sera tous là le 17 et le 18 et je sais qu'on fera salle comble. On fera salle comble. Alors c'était votre ami, votre frère Jerry Mukuna. J'ai dit merci à Edino Image qui nous a fait ces beaux cadrages. Également j'ai dit merci à Monsieur Ben, l'analyste. Et je dis merci à tous les Congolais qui nous ont regardés. Comme je vous l'ai dit, l'impossible n'est pas congolais. Nous avons comme exemple ces dignes fils du Congo, Peter, qui est votre frère, Alobarape Lingala. Il est réalisateur et puis son film passe en premier, c'est 11 mai, et vous allez Makala Etikala, Poutoulou et Mata. Donc c'est comme on l'a toujours dit, mais je sais qu'il a passé son message. Je pense que c'est ceux qui devraient entendre ce message, surtout du côté du gouvernement, ont pu entendre ce message. Mais c'est l'ambassadeur. Voici les gens qu'il faudrait recevoir dans vos bureaux. Parce qu'il est là, avec nous ici à Paris. Donc s'il venait par me chercher à vous voir, ouvrez le porte. Moi je vous retrouve prochainement pour une autre émission avec Laurent Lolo. Et d'ici là, portez-vous bien et que la paix soit avec vous. Et surtout, que vive le Congo.